bienvenue dans notre centre municipal de santé qui vient d'ouvrir ses portes depuis 2 jours et qui est vraiment très accueillant et où il y a déjà beaucoup de patients qui se sont inscrits dans les consultations. Je voulais juste donc bien vous préciser qu'il y a déjà 3 médecins qui ont été embauchés. Un 4e médecin va rejoindre l'équipe d'ici peu. Et nous avons déjà noué des conventions de partenariat avec certains spécialistes. Et nous avons également une orthophoniste qui souhaite nous rejoindre à partir du mois de septembre. C'est un centre de soins de médecine générale. Les consultations sont à la fois sur rendez-vous, mais il y aura également des consultations sans rendez-vous pour ce qu'on appelle les soins non programmés, les petites urgences. Et il y aura également des visites à domicile. L'autre caractère particulier du centre de santé, c'est qu'il pratique le tiers payant intégral afin de permettre une égalité d'accès aux soins de toute la population. Le centre municipal de santé Ambroise Croizat est avant tout un projet politique. C'est un projet porté par la municipalité. D'ailleurs, je remercie toute mon équipe politique qui est autour de Sylvie Bouissat qui ont fait avancer ce projet en 9 mois, projet merveilleux. Je remercie aussi les employés communaux qui se sont investis, l'administratif, mais aussi le technique, et enfin tous les financeurs, départements, régions, ARS. Et nous avons, nous, décidé de mettre d'affecter des fonds de concours de la communauté de communes, de les affecter sur ce projet. Donc c'est un centre qui est municipal, ça veut dire que tout le monde est salarié de la mairie dans ce centre. Il va avoir une amplitude horaire d'ouverture très large, quand il sera plein régime, on va dire de 8h du matin à midi, de 14h à 20h, ainsi que le samedi jusqu'à midi.